Bonjour tout le monde, c'est Redan, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour un épisode sur Pixelmon. Mais Pixelmon un peu spécial tout simplement parce qu'il s'agit de Pixelmon Survie. Et oui, à côté, quand Pixelmon World sera fini, on va lancer Pixelmon Survival, hein, Pixelmon en survie, mais avec une petite particularité, comme vous avez pu le voir dans le titre, tout simplement parce que l'aventure va pas mal avancer, va surtout bien m'aider, ce sera grâce à vous, grâce à vos participations. Là, vous voyez, il y a plein de Pokémon du derrière moi, très très intéressant. Je suis avec Lapinmou, donc c'est je crois que c'est le starter de épée bouclier type feu, je crois. Donc on est sur une nouvelle survie. L'ancienne était en test pour voir comment ça marchait et tout ça. J'ai réussi à m'entraîner un tout petit peu. Vous voyez derrière deux trois petites choses. Oui, tout simplement parce qu'il y a un petit scénario en cours d'écriture qui est en train de se faire, un petit peu un peu plus différent. Et donc, où je suis, ça paraît un peu anodin, mais je suis à côté d'un village que j'ai légèrement modifié. On voit quelques petits trucs qui ont été modifiés par-ci, par-là. Oh, je vais un petit peu trop loin. Pourquoi? Tout simplement parce que si je continue un petit peu plus vers la droite, il y a la maison, la base principale où la plupart des choses vont se passer. Justement, on va y aller. Mais avant quand même, vous précisez un petit peu le principe de cette map. C'est comme un Minecraft classique avec plein de nouvelles petites choses et des modes en plus, genre Biome Plenty, Custom MPC et tout ça et tout ça et tout ça, pour le plaisir du Redden. Hein. Enfin, une vraie partie modée survival. Je l'avais promis, j'avais dit que je ferais un jour une survie modée sur Minecraft. C'est chose faite. Et oui, le Redden tient ses promesses toujours et tout le temps. Mais malheureusement, sans Luffy. Et oui, Luffy n'est pas avec nous, mais je l'ai implanté dans la survie. Donc il est avec nous, sans être avec nous. On voit un Torinor et un Chelours sans se foutre sur la gueule. Qui va gagner? Ouah, Chelours! Oh, darkness, my friend. Bon, il est en train de... Torinor s'est fait déboîter. Chelours a gagné. GG Chelours, hein, bravo. Hein. Bravo, même si je l'avoue, t'as une tête de psychopathe. Regardez-le. Regardez-le. Pédobir en puissant. Oh, oh. Ne pas le regarder. Vous avez déjà vu Five Nights at Freddy? Ne pas le regarder dans les yeux. C'est... Oh, oh merde. Pédobir, tourne la tête. Il ne regarde pas. C'est bon. Tout va bien. Bref. Bref. Pardon, excusez-moi. Je tousse un petit peu. Je suis légèrement malade. Léger, hein. Vous inquiétez pas, je n'ai pas le Covid-19. Tout va bien. Juste, il fait froid. Voilà. Voilà. Donc, on est en mode créatif. Donc là, c'est normal. Parce que je suis en train de faire les petites choses par-ci par-là. Donc on a notre village. Il faudra que je trouve un petit nom assez sympatoche à ce village, parce que bien sûr ce village aura une particularité, c'est-à-dire que quand je ferai les épisodes et les choses comme ça, les PNJ vont changer, être modifiés, etc. pour porter vos noms, tout simplement. Voilà. Quand je dis que vous allez participer en grande partie à cette série, ce n'est pas un mensonge, mais absolument pas, parce que tout simplement toutes vos actions que vous allez faire sur la chaîne, sur cette série, ont des conséquences directes sur cette série. Je m'explique. Vos abonnements me feront gagner des choses. Vos likes me feront perdre ou gagner des choses. Vos commentaires feront influencer l'histoire. Comment je fais ça? Je vais vous l'expliquer ça. Ça t'inquiète pas ça. Hein? Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Vomi. Pardon. Bref. Oh, un petit coxy.
Un petit coccycto mignon et un fouinette. Donc vous voyez, il y a des Pokémon un petit peu partout. Et on a des PNJ assez classiques et tout ça. Là, vous voyez, on a Audrey et tout ça. Elle veut son petit Ponyta, mais tu peux te la mettre où tu veux, ton petit Ponyta. Donc lui, petite particularité, on verra en temps et en heure. Mais pour ceux qui ont regardé Pokémon XD et Pokémon Colosseum, vont bien reconnaître. Bon, on le voit pas bien, mais normalement, il est censé avoir les cheveux roses et faire vroom vroom, mais pas là. Bref, on a deux personnes qui ont été implémentées dans le jeu. Il s'agit tout simplement de mes modérateurs, donc Luffy et Lee. Voilà, Lee est aussi dedans. Alors Lee est juste là en fait. Vous voyez, il est juste là. Et vous voyez, il est là. Voilà, vous voyez, je peux lui donner les petits noms, je suis comme ça. Donc il ouvre son Pokémon, il est là, on check, on discute, on est là, on est tranquille, on papote, blablabla, comment ça va. Petit costard le mec. Petit costard, bien swat, swag, pardon. Soit, oui, bien sûr, il va se faire souhaiter. Bien sûr, t'es con. Voilà, et donc, village que j'ai légèrement modifié. Pas fini, hein, pas fini encore. Je vais essayer de rajouter plein de nouvelles petites choses avec lui, bien sûr. Lui c'est un petit plaisir, hein, c'est un petit plaisir que je me suis rajouté. Même les marchands, je les ai un petit peu modifiés. J'en ai rajouté un qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il vend des pierres en fonction des jours qu'il a. Donc c'est divers, c'est varié hein, en fonction des jours. Il a différentes pierres à me vendre à chaque fois. Donc c'est aléatoire. Donc plein de petites choses. Et on a même des bons PNJ hein, qui proposent des bonnes choses. Là je crois qu'il propose quasiment toutes les boules du jeu. Donc on est pas trop mal. Et ça c'est pas mal. Donc on va s'approcher vers la maison qui est ici. Alors je suis resté dans le thème du village. Bon, on voit tout de suite à la taille que c'est ma maison, hein, évidemment. Mais je suis resté quand même dans les matériaux de base, c'est-à-dire la pierre taillée, le chêne et des bûches. Donc je me suis agencé, je me suis débrouillé pour faire comme je peux, pour rester quand même relativement cohérent. Mais l'intérieur est totalement différent d'une maison classique, tout simplement, parce que, vous voyez, oh, c'est stylé, c'est mignon. Donc on a une petite salle à l'étage où on peut entreposer des choses, et en bas, et bah c'est tout simplement la partie principale de ce qui va se passer ici. Et justement, on va en parler tout de suite de l'étape numéro 1, le rapport avec vos abonnements. Car tout simplement, en fonction de certains niveaux de paliers d'abonnement, on va débloquer des accès à la maison. Tout simplement, à l'heure actuelle, nous avons accès qu'à la chambre. Il y a à peu près quelques petites pièces ici et là, et je vais en rajouter d'autres au fur et à mesure du nombre d'abonnements sur la chaîne. Nous débloquerons, parce que je dis bien nous, parce que c'est moi aussi, mais c'est vous qui vous abonnez. Donc, nous, parce que vous participez activement, bien entendu, à cette série. Donc, nous débloquerons des salles. Exemple, si par exemple, nous avons ici un petit laboratoire Pokémon, il y avait un bras, à 250 abonnés sur la chaîne, nous débloquons le laboratoire Pokémon. Normalement, je ne devrais pas vous le montrer, mais comme c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est encore en cours de construction, ce n'est pas fini, d'accord? Donc, soyez indulgents, je vais faire une exception à la règle, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Pas mal, hein? C'est pas mal, c'est stylé tout ça. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est pas mal, hein? J'avoue. Avouez, c'est pas mal, hein? Ouais. Genre, tu m'as cru? Regarde sur quoi je suis assis. Dessus, pardon. Je suis pas assis, je suis debout dessus. C'est quoi ça? Je sais pas. Si je fais pas, genre, ça. Oh! Oh! Oh, oh, non, oh là là, non. Vous verrez qu'on aura atteint les 250 abonnés, donc ce n'est pas pour tout de suite. On a ici, bien entendu, la classique à 210 abonnés, on n'y est pas très loin. La salle des abonnés, oui,
Oui, comme dans toutes les séries Minecraft que je fais, il y a la salle des abonnés. Tout simplement parce que à peu près tous les 3 ou 5 épisodes, j'ai pas encore réfléchi, je ferai un live où on fera du farming, du minerai, se détendre et tout ça. Donc ce sera en préambule. Normalement, si je me démerde bien, maintenant ce sera le lundi soir. Je vais essayer de placer ça, essayer de me libérer du temps pour faire le stream Pokémon le lundi soir. Ça pourrait être pas mal à partir de 20h, 21h, j'ai pas encore trop réfléchi. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire avec Pixelmon World, si vous n'avez pas remarqué. D'ailleurs, hein, regardez la série Pixelmon World. Franchement, je m'amuse bien dessus. Voilà. Et donc, il y a une upgrade à cette salle. C'est l'ultra salle des abonnés. À 400 abonnés. Il y a un peu de marge. Qu'est-ce que l'ultra salle des abonnés? Alors, si vous pouvez pas trop voir, parce que vous n'êtes pas habitué au mode, il y a ce qu'on appelle le ciseau. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un ciseau, qu'est-ce que tu veux en branler de ton truc? Eh bah, tout simplement, chaque abonné à la chaîne aura le droit à une petite représentation de son Pokémon favori. Par exemple, j'aime beaucoup Tyranocif. Je mets clic ici. On voit un arbre. J'ai juste à écrire Tyranocif. Oui, Tyranocif, voilà. Donc je mets mettre à jour et on a un magnifique Tyranocif qui est là. On peut après le mettre à la taille que l'on veut. Voilà. Et on peut, je crois, lui mettre. Voilà, on peut même lui donner un petit nom. Normalement, si ça marche. Voilà. Et on met sauvegarder et vous voyez la petite figurine du Tyranocif avec mon nom dessus. Et donc l'ultra salle, pardon, l'ultra salle des abonnés sera une représentation de tous les Pokémon préférés des abonnés avec leur petit nom dessus. Et comme ça, quand on arrivera dans la salle des abonnés, on verra vos noms avec votre Pokémon préféré qui vous représente le plus. Et donc ça, j'avoue, c'est stylé. Donc, t'es bien gentil, merci. Hop, je t'enlève. Alors, bien entendu, Resk est là. Alors, attends, je me suis gouré? Attends, mais pardon, c'est même pas moi qui ai noté le nom en fait. Il s'est gouré, le débile! Pourquoi il m'a fait ça? C'est. Il l'a écrit à l'envers. Alors, attendez, est-ce que je peux le trouver là, l'étiquette nominative? Pardon, excusez-moi, c'est un truc impromptu. Simplement parce que je m'aide de quelqu'un IRL quand je suis au travail pour m'aider à construire par-ci par-là parce que je suis pas tout le temps là. À l'heure actuelle, je suis un petit peu débordé. Tu vas pas m'emmerder, mon pote. Hop, hop. Alors, tu veux pas mettre? Ah, d'accord, tu veux pas mettre. Bon. Attendez, nominative. Non, putain. Comment il a fait? Non, alors, oh oui, hein, y a plein de petits mods et tout ça dedans. Hein. C'est dans Redstone? Non, normalement c'est dans. Pas potion. Nourriture. Normalement c'est dans divers. On est d'accord. L'étiquette nominative est dans les divers. À moins qu'il n'y ait pas. Comment il a fait? Comment tu fais? Alors là, j'avoue, je suis intrigué. Je suis intrigué du cul. Comment il a fait, ce con? Incroyable! Ah! Étiquette, voilà, tout simplement. Voilà, parfait. Combiné, bien sûr, à une enclume. Bah, vas-y, enclume très endommagée, vas-y, si tu veux. Voilà, donc on va poser ça. Et. Alors, je sais pas comment il a fait, mais c'est. Je lui ai pourtant montré comment on l'écrit. Il est débile. C'est comme ça. Mais quel gros naze. Voilà, Resk qui est avec nous. Voilà, c'est corrigé. Voilà, mon pépère. Bah ouais, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils te feront pas? Qu'est-ce qu'ils te feront pas? Donc voilà, donc la salle des abonnés et l'ultra salle des abonnés, ce sera ça. Alors, la salle des abonnés, ce sera juste
une pancarte avec votre nom dessus, et l'ultra-sale des abonnés, c'est comme je vous ai montré avec le ciseau, avec le Pokémon de votre choix qui sera en représentation et tout ça, etc. Donc on a ici, donc ça c'est un endroit secret qui se passe juste derrière. Là ce sera à 500 abonnés, donc on n'est pas trop encore là. Ça ne sera peut-être tardé hein, si cette série vous plaît énormément. Et donc on arrive au niveau de la chambre. Et pareil ici, alors, selon vous, qui c'est? Je vous pose la question. Vous allez dire, ah ouais, mais c'est le mec de... C'est quoi ça, Soleil et Lune? Je sais plus. Eh ben non, ce mec-là, oui, c'est peut-être le mec qui a l'apparence de Soleil et Lune. Mais le gars, ici, eh ben c'est Luffy. Oui, c'est Luffy. Si par exemple je lui lance une Pokéball... Bon bah là le mec il fait bah je peux l'affronter qu'une fois par jour, j'ai déjà affronté. Mais Luffy va level up en même temps que moi. C'est à dire que si vous voulez on prend ça. Hop. Juste à voilà, mettre en illimité. Voilà. J'ai juste à lui lancer une Pokéball dans la gueule. Voilà. Et donc là c'est bel et bien Luffy qui a parlé. Et donc Luffy a un Salamèche. Pas mal le petit Luffy quand même hein. Ça va, il s'est pas trop chier. Il a un Salamèche en mode tranquille, pépère, bien. Et il a un Evoli Shiny. Pourquoi un Evoli Shiny? Tout simplement parce que Luffy aime beaucoup Noctali Shiny. Donc plus tard il aura un Noctali Shiny. Et oui, on est cohérent sur la chaîne. Et après bien sûr il aura moult Pokémon différents, bien entendu. Et son niveau augmentera parce qu'il est niveau 3, parce qu'on est qu'au début de l'aventure. Et donc au fur et à mesure que moi je progresserai dans l'aventure, Luffy avancera aussi de son côté level Pokémon. Il y aura des nouveaux Pokémon, des évolutions, etc., etc. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc ça nous fait des trucs un peu en parallèle, même s'il n'est pas là avec nous IRL, enfin en vocal, il est avec nous dans notre cœur à tous, le petit Luffy ici présent. Et donc vous voyez ici, il y a des Pokéballs. Pourquoi il y a des Pokéballs? Simplement parce que ce sont des objets bonus qui, au fur et à mesure du nombre d'abonnés, me permet de débloquer ces fameuses récompenses. Je tiens à préciser qu'à 260 abonnés, nous avons un Pokémon. Voilà, c'est un Pokémon. Voilà, je le dis, je le tease. Quel Pokémon? Je ne le dis pas. Alors, il y avait une enclume ici. Je sais pas pourquoi il y avait une enclume, mais c'est pas grave. Donc, petite déco par-ci, par-là. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai pas fait d'exploration. J'ai pas fait de minage. J'ai juste fait voilà, des petits rangements, etc., etc. Pour justement, quand on partira enfin à l'aventure, parce qu'on n'a encore rien fait, c'est encore l'épisode 0, hein, techniquement, on est au prologue, on est qu'au commencement, il n'y a encore rien de fait. Donc, la série va commencer quand Pixelmon World sera fini. Alors, je précise, quand je dis ce sera fini, ce sera à partir, normalement, après la Ligue. S'il n'y a rien après la Ligue, on pourra commencer aussitôt le mode survie. Et après, bien sûr, au fur et à mesure, je modifierai le village. Connais pas ce Pokémon, il est très bizarre. Bref, donc je modifierai au fur et à mesure le village pour le moderniser, pour lui changer des trucs. Ou pareil, au fur et à mesure de mes découvertes, parce que simplement je me suis limité au bloc que je découvre. Sauf bien sûr pour le coin de la maison. C'est-à-dire que oui, la maison a des blocs que les autres n'ont pas. Mais par exemple, quand j'irai dans le Nether, le petit village, qu'on va trouver un petit nom, hein, aura une update de blocs. Donc par exemple, pour avoir du quartz. Voilà, tout simplement. Si je vais dans l'End, il aura d'autres choses. Si je vais dans des biomes de biome plenty, tout simplement parce que oui, là on voit un truc normal. Mais vous voyez ici, j'ai une deuxième page. Et oui, avec plein de choses, dont biome plenty, plein de nouvelles choses. On a du rubis, du péridote, du topaz. Péridote ou périote? Non, péridote.
je sais pas, de la tanzanite, d'accord, regardez pas, de la malachite, donc ça je le connais, hein. Hashtag Skyrim, bien entendu, du saphir, de l'ambre et tout ça, et bien sûr, plein de nouveaux blocs, plein de nouveaux bois. Eh oui, il y a plein de nouveaux bois exprès. Donc ça va être plutôt pas mal, des nouvelles planches, de nouveaux styles, de nouvelles portes, des coraux, des arbres, plein de nouvelles choses, des nouvelles fleurs, même des minerais un peu particuliers. Et il y a même voilà, des sources d'eau chaude, etc., etc. Et même voilà, des fruits, voilà, vous voyez, des poires, des pêches, des kakis, etc., etc. Pour le plus grand des plaisirs. Alors j'avoue, la source d'eau chaude, je vais pas vous mentir, j'avoue très clairement, quand on va dedans, c'est ultra stylé. Par exemple, hop, vous voyez, ça paraît anodin, on dirait littéralement un truc normal, mais vous voyez, et quand je vais dedans, oh, la régénération du plaisir. Donc dès qu'on aura activé ça, il faudra que je fasse absolument une salle de bain avec ça, ou un petit coin sauna, un petit coin hammam, pour le plaisir du Raiden. Là j'avoue, ce serait ultra stylé. Et vivement qu'on découvre tout ça. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas parti bien loin. Alors il y a ici, alors vous devez demander qu'est-ce que c'est que ça. Et bah là-bas il y a un bâtiment, et dans ce bâtiment, il y a l'histoire principale qui commencera. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous le montrer, tout simplement parce que c'est en work in progress, hein. C'est en cours de travail. Et au fur et à mesure des endroits que je vais faire par-ci par-là dans ce monde et dans les dimensions, il va y avoir aussi plein de nouvelles petites choses à côté, par-ci par-là, pour le plus grand des plaisirs. Et oh, je sais pas. Ah ouais, c'est écrit en anglais. Bon, il y a des PNJ qui sont en anglais, hein. Ouais, vous voyez, il y en a certains, c'est en anglais. Et lui, c'est Agent Jenny, mais t'es un mec. Non, mais ok. Non, mais on critique pas, on dit rien. On a pas envie de se prendre des mecs dans la tronche. Donc, ça peut être pas mal. Et donc, bien sûr, au fur et à mesure des aventures, des lives, les abonnés qui participeront le plus seront gratifiés, bien entendu, de leur présence dans ce village. Ils auront le choix de plusieurs skins. Donc là, vous pourrez même être un infirmier, un donneur de capacité, etc., etc. Un PNJ qui bavarde, etc. Et donc, vous avez le choix entre plein de styles. Donc, par exemple, on prend nageuse. Alors, c'est... Voilà, hein, c'est... Non, on s'en fout. Voilà, on a plutôt plein de trucs. On a karatéka, docteur, on a un trader gnome. D'accord. Voilà, et on a même les héros des différents Pokémon. Donc on a Brendan, donc Ruby, Saphir. On a Gary, donc c'est Régis. Mal protagoniste. Ah, c'est pas le épée bouclier, je sais plus. Voilà, donc lui connaît pas, monsieur connaît pas. Donc on a plein de nouveaux persos qu'on pourra donner aux gens. Voilà, donc ça pourra être vous. Tout simplement, ces gens pourront être vous, et vous pourrez vous balader assez allègrement dans votre petit village. Tout ça. Faudra que je trouve un nom. D'ici là, j'aurai sans doute trouvé un nom pour le plus grand des plaisirs. Donc voilà. Alors, par rapport aux membres de l'équipe, c'est vrai que lors de... J'avais déjà fait une petite survie. L'autre survie, disons que j'ai un peu fait n'importe quoi avec les données et que les données se sont corrompues. Donc, RIP Arcoco. Hein, Arcoco à tout jamais dans notre cœur. Si à l'occasion je retrouve un Arco dans le coin, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je préfère partir sur une nouvelle équipe fraîche. J'ai juste gardé voilà, bah, Lapinou, bien sûr, parce que c'est le starter. Malgré que à la base je voulais prendre Carapuce. Je sais pas, on va quand même tester un Pokémon que j'ai pas trop essayé. Oh, Snoopy. Non, on va pas prendre Snoopy.
Non, Snoopy est déjà présent dans plusieurs séries, donc on va pas en abuser. Donc j'ai gardé juste voilà Lapinou et après on va essayer de voir si on peut avoir une nouvelle bonne équipe et etc etc. Par rapport aussi là on va passer maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire les likes. Alors les likes ont aussi une importance sur l'aventure. Alors je précise les likes, oui, les dislikes, bah non. Bah oui, non mais c'est logique. Les dislikes, ça servira à rien. Donc vaut mieux liker pour faire avancer dans l'aventure. Chaque like me feront lancer un processus de numéro random. Donc je prendrai un logiciel de numéro random de 1 à 5. Et en fonction de ces numéros, donc par exemple le numéro 3, je devrais utiliser un distributeur avec dedans des papiers avec des gages qui va de me giver à 10 items jusqu'à me relâcher jusqu'à 3 membres de mon équipe, légendaire ou pas. Exemple, j'ai Lapinou, Mewtwo, Tortank et 3 autres Pokémon à la con. Je chope le ticket qui me dit relâcher les 3 premiers Pokémon et c'est Lapinou, Mewtwo, Tortank. Au revoir Lapinou. Au revoir Mewtwo, au revoir Tortank. Et je devrais me démerder avec 3 nouveaux membres. Ça va corser la chose, ce sera totalement aléatoire bien entendu. Donc comment calculer ça? Tout simplement ce sera par palier, en fonction, au fur et à mesure. À l'heure actuelle je n'y ai pas encore trop pensé, je vais y réfléchir quand la série va être lancée officiellement. Et là on pourra enfin en parler directement, je ferai peut-être un petit momentum, c'est comme ça qu'on dit je crois, je sais plus pour expliquer un petit peu le principe du système de like sur cette série. Et donc troisième étape, les commentaires, tout simplement car au fur et à mesure de l'aventure vous aurez la possibilité de me lancer des défis. Alors attention, les mecs, ouais, on va capturer Arceus Shiny avec des Pokéballs. Bon bah déjà, toi, je t'encule, voilà. Parce que moi, vas-y, je mets Edit Pokémon et puis basta, hein, pas de soucis, hein, ça me dérange pas. Mais attention, faut que ça soit quand même des défis assez marrants à faire et pas trop compliqués pour ça. Et donc, pour ce faire, il faudra... Oh, Pikachu! Pikachu casquette de Sacha! Wouah! Mais il est trop mignon ce Pikachu! Il est trop mémé! Attends, hé! Non mais attends, tu respectes! Reviens là! Quoi? Oui, je l'ai vu, c'est bon. Non, il rentre, mais on le prend pas, hein. On le prend pas. C'est juste. Non, juste pour le garder en fait, il a l'air stylé. Juste attendez, on va demander de se ramener. Bouge pas. Ah, il est trop mignon ce petit Pikachu là. Ah, j'avoue. J'avoue, il est ultra mignon ce petit Pikachu. Voilà. Donc, je vais relâcher après dans la nature. Pour le petit Pikachu. Parce qu'on va pas le garder. Hein. J'ai pas claqué une Master Ball pour rien. Donc voilà, nombre d'abonnements nous fera avancer dans le déblocage de salles et bien sûr davantage pour la série, hein, tel le laboratoire Pokémon, la salle des abonnés, la salle des ultras, l'ultra salle des abonnés et le petit truc surprise. Bien entendu, il y aura aussi d'autres pièces, genre, voilà, je dis pas, qui se passera peut-être par là, etc., etc., peut-être un petit sous-sol secret caché avec un petit système redstone. Je ne m'avance à rien, je ne préfère pas vous donner trop de détails. Laissons quand même un minimum de suspense, comme on dit par ici. Les likes serviront tout simplement à faire les petits random défis. Petits gages, voilà, les petits gages. Et les commentaires serviront à proposer des défis pour agrémenter plutôt. Pas le français, Redon, s'il te plaît. Pour agrémenter un petit peu la série, en plus, bien sûr, de l'histoire
principal. Alors, pour ceux qui se demanderont, ouais, tu vas faire comme une série normale, c'est-à-dire 8 badges et la ligue Pokémon. Alors, badge, oui. 8, non. Pourquoi? C'est très simple. Tout ça, ce sont des badges. Voilà. Donc, on va en utiliser pas mal. Ce sera pas 8 arènes. Ce sera allègrement plus. Le double, voire le triple. Attention. Et attention, hein. Là, ça rigole zéro. Et donc, vous pouvez voir aussi, il y a aussi les méga gemmes. Il y a les méga évolutions qui sont présentes dans le jeu. Et donc ça, j'avoue, c'est stylé. Il y a plein de petites méga gemmes assez sympatoches. Donc, les ennemis, les dresseurs, les champions pourront avoir des méga évolutions. Et il y a même des Z-moves qui sont, j'avoue, assez stylés. Il y a même, voilà, des trucs de Mew. Des moves de Mew, des trucs de Ultra Necrosium. Ah, attends, tiens, je vais en profiter, je vais voir ce Pokémon que je connais pas trop, on m'a tout le temps parlé. Je connais pas plus que ça, alors attendez. Bon bah déjà, super, voilà, rip le truc. Alors comment s'écrit? Alors. Comme ça? Pas du tout. Comment il s'écrit? Comment il s'écrit ce schlag? On va voir ça tout de suite. Permettez? Je m'en excuse, hein, c'est... alors comme ça. C'est ça? C'est ça, ok. Alors donc... Ok. Donc comme ça. C'est ça? Ouais! Ok, alors justement, je vais en profiter parce que... On m'en a beaucoup parlé de ce Pokémon, mais je connais pas plus que ça. Ah ouais, il est stylé en fait. Ah ouais, il est ultra stylé en fait. Ouh. Oh, si on a l'occasion de le prendre, on le prend. Ah ouais, il est ultra stylé. Ouh. Ok, pas mal. Pas mal. À voir. Mais pour l'instant, je suis désolé mon pote, mais rip. Artaknet's my friend, hein, bien sûr. Donc voilà, donc... Je vous ai un petit peu expliqué le principe de cette série. Alors, la série, hein, bien entendu, comme je le dis et je me répète une nouvelle fois, commencera quand Pixelmon World sera fini. À l'heure actuelle, je pense que nous sommes plutôt vers le 3/4 de Pixelmon World, avec la Pinou qui veut se barrer, la Pinou qui est suicidaire. La Pinou va pas te buter. Sinon, je te transforme en civet. Et vu comment t'es pas très gros, ça va être rapide. Ou une brochette. À voir. Ouais, il y a un Fogler qui nage là-bas. Trop beau. Bref. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées à me proposer, c'est le moment ou jamais. Je répète. C'est ce moment-là, alors que je suis en train de faire des updates... Et les mises au point de cette série, si vous avez des idées à me proposer, c'est là, sous cette vidéo, qu'il faut absolument me le proposer. Après, ce sera trop tard. Je tiens à le préciser. Donc, s'il y en a qui, après, quand j'aurai commencé, me disent « Ah, mais non, mais fais ça. » Voilà, allez vous faire foutre. J'avais prévenu. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah vous connaissez les bails. Le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, d'activer la petite cloche pour ne rien louper du commencement de cette série. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. C'était Red Snow pour servir. À vous, studio. Ciao!